Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fadjet pour un nouveau numéro de Réseaux sociaux. On aborde aujourd'hui une nouvelle fois le derby lorrain. Si vous n'avez pas encore écouté notre premier épisode avec notamment une interview de Paco Rubio, je vous invite à l'écouter rapidement. Des interviews, il va encore en être question aujourd'hui. Sont avec moi les inamovibles Eric. Bonjour. Et Steve. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Avant de commencer par une première interview d'un joueur qui a marqué l'AS Nancy-Lorraine, Eric, j'aimerais qu'on débute par une petite anecdote concernant la famille Molinari et leur lien avec l'AS Nancy-Lorraine. Enfin, le lien avec le football professionnel à Nancy plus généralement. Alors, ça peut sembler curieux de vouloir rendre hommage à la famille Molinari quand on est supporter nancéen. Rappelons quand même que Carlo Molinari est l'un des deux présidents emblématiques de l'histoire du FCMS avec Erlori. Donc pourquoi lui rendre hommage et pourquoi rendre hommage à sa famille? La raison en est très simple, c'est que les deux plus grands joueurs lorrains de l'histoire du football, Michel Platini et Roger Piantoni, enfin plutôt Roger Piantoni et Michel Platini par ordre chronologique, ont beaucoup de points communs. D'abord, ce sont des Italorins, des Lorrains d'origine italienne. Ils viennent tous les deux du PIO, l'un de Pienne, l'autre de Jeuf. Et autre particularité, ils ont joué chacun 7 saisons à Nancy. Roger Piantoni au FC Nancy, Michel Platini à l'AS Nancy-Lorraine, ce sont deux grandes gloires du football français, internationaux à de multiples reprises, enfin vraiment des joueurs d'exception. Et peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais on doit quand même à la famille Molinari le fait qu'ils aient joué tous les deux pendant 7 ans à Nancy. Or, Michel Platini, l'anecdote est connue, c'est que d'abord il a proposé ses services au FC Metz, qu'il a refusé. Pourquoi ils l'ont refusé? Alors, tout le monde connaît l'histoire du spiromètre, le médecin du FC Metz qui lui fait souffler dans un spiromètre, il n'a pas assez de souffle, verdict, il ne sera jamais un joueur de haut niveau. Mais on oublie aussi que Carlo Molinari considérait, enfin, il prenait au pied de la lettre ce qu'on lui avait dit du jeune Michel Platini. Oui, il est moins fort que son père, Aldo, il a un gros cul, il n'arrive pas à se retourner, il ne fera pas carrière. Donc tout ça, entre l'histoire du spiromètre et ce qu'il avait entendu dire du joueur, a fait que Michel Platini a été recalé du FC Metz. Et indirectement, c'est quand même en grande partie grâce à Carlo Molinari. Ce qu'on ignore en revanche, c'est que si Roger Piantoni, au début des années 50, alors qu'il était le grand espoir du football lorrain, qu'il était à Pienne et qu'il y avait une dizaine de clubs professionnels qui voulaient s'attacher ses services, dont Metz et Nancy, bien si Roger Piantoni a choisi Nancy, on le doit à un homme qui tenait un garage à Nancy, qui était un dirigeant de l'ombre. Il n'était pas dans le comité officiellement, mais il occupait une grande place dans l'ombre, un supporter de l'ombre, si vous voulez, qui était très influent, et qui connaissait les Piantoni et qui a joué de toute son influence pour faire venir Roger Piantoni au FC Nancy. Et qui était ce fervent supporter de Nancy? Eh bien, c'était Ettore Molinari, le père de Carlo Molinari, qui, contrairement à son fils, était un très grand supporter du football nancéen. Donc voilà, je voulais quand même qu'on rende hommage à ces deux hommes. L'un directement, l'autre indirectement, nous ont permis d'avoir les deux plus grands joueurs lorrains de tous les temps. Puis je terminerai cette saga familiale par une note humoristique, quoique un peu cruelle pour Carlo Molinari. C'est que certains l'ont peut-être oublié, mais en 78-79, au moment même où Carlo Molinari commence à surmonter le chagrin d'avoir laissé échapper Michel Platini, il se fait virer de la présidence du FC Metz. Et là, son ami Claude Cuny, président de la SNL, lui dit « Mais un type de ta compétence ne peut pas rester inactif dans le monde du football. Viens donc nous rejoindre à la SNL. » Et donc, on l'a oublié, mais Carlo Molinari a été pendant quelques mois dirigeant de la AS Nancy-Lorraine. Et là, c'est quand même très cruel. Claude Cuny lui a confié pour principale mission de trouver un successeur à Michel Platini qui partait à Saint-Étienne. Donc vraiment, les Molinari et Nancy, c'est une histoire particulière. Voilà. C'est quand même du culot de Claude Cuny de lui proposer ça. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, l'anecdote est vraiment croustillante. En plus, c'est mission impossible. Parce que qui pouvait, avec le budget de l'AS Nancy-Lorraine, quel joueur pouvait-il recruter pour remplacer quelqu'un de la qualité de Michel Platini? Celui qui a été choisi était un Yougoslave
qui s'appelait Slobodan Antic, il n'était pas mauvais, mais il était forcé, il était condamné à décevoir. De toute façon, on cherche toujours un digne représentant ou successeur de Michel Platini, et c'est pas demain la veille, malheureusement. Dans notre premier épisode, nous avons écouté Thibaut, un supporter du FC Metz, et qui nous a parlé du match entre Metz et Nancy à Saint-Symphorien de 2013, un peu comme un moment fondateur pour le FC Metz, comme on l'entend aujourd'hui. On va écouter un des acteurs de ce match, en la personne de Geoffrey Cuffaut. Alors, il était sur le terrain, et vous allez voir que ce match, de son côté, lui a un mauvais souvenir, mais rassurez-vous, il en a aussi quelques bons. Bonjour Geoffrey, ouais, bonjour. Je vous remercie beaucoup de participer à notre émission dédiée au derby entre Nancy et Metz. Tout d'abord, comment allez-vous ? Merci, ça va bien. Vous avez joué, si je ne me trompe pas, 5 derbies entre Nancy et Metz. D'abord, je voulais vous demander, est-ce que c'est un match qui finalement se prépare vraiment comme les autres ? Parce qu'on dit souvent que c'est un match comme les autres, ou est-ce que finalement, la semaine précédente, il y a un peu plus d'intensité, ou est-ce que dans la préparation, il y a un petit peu de différence ? Bah, dans la préparation de la semaine de travail, c'est à peu près la même chose. Après, c'est surtout l'atmosphère autour. On sent que c'est une semaine particulière. Il y a souvent les supporters qui viennent au centre d'entraînement. On sent que voilà, l'atmosphère est vraiment différente. Et souvent, voilà, quand le derby arrive, on a hâte d'y être parce que on commence à être impatient dans la semaine. Et vous, du coup, vous veniez du Mans, si je me trompe pas ? C'est ça, oui. Et vous connaissiez un petit peu l'atmosphère des derbies Nancy-Metz, ou vous l'avez découvert en arrivant à Nancy ? Non, je savais que voilà, il y avait quand même, c'était une région de foot, que le derby était très très important, donc je savais que voilà, c'était un match spécial pour tout le monde, donc je m'étais renseigné un petit peu, mais quand je suis arrivé, mon premier derby, c'était en septembre, et puis il n'y avait pas eu de derby depuis plusieurs années, donc j'ai été mis dans le bain très rapidement. Ouais, forcément, surtout si c'était en septembre. Et avant de venir à Nancy, ou après, depuis que vous êtes à Valenciennes, vous avez déjà reconnu des derbies avec la même atmosphère, ou est-ce que c'est Nancy-Metz, c'est un peu particulier par rapport aux autres ? Non, c'est un petit peu particulier. Voilà, il y a une grosse rivalité des deux côtés. Ensuite, j'ai pu aussi connaître un derby sympa dans le nord entre Lens et Valenciennes. Donc, voilà, c'est des matchs spéciaux, et puis on a vraiment envie de les gagner. Oui, d'accord. Et alors du coup, sur les Nancy-Metz, deux dernières questions. Quel est votre meilleur souvenir ? Bah moi, forcément, c'est le derby qu'on avait gagné en décembre en Ligue 1 à Marseille-Picot, 4-0. Donc pour moi, forcément, un souvenir, ça reste une victoire. Et à cette époque-là, on avait vraiment fait une grande performance ce soir-là, un soir d'hiver, en semaine, je crois. C'est ça. Donc ça restera vraiment un énorme souvenir. 4-0 contre le voisin Messin, c'était dans une ambiance, vraiment magnifique. Voilà, on s'en rappellera toujours. D'ailleurs, vous marquez, si je ne me trompe pas, ce soir-là. Oui, c'est ça. Oui, je marque le deuxième but. Et puis après, on a déroulé. Je crois qu'on marque 3 buts dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'était... Donc, on était vraiment déchaînés ce soir-là. C'est vraiment un magnifique souvenir. Ouais, et puis c'était sur un bon début de saison, d'ailleurs. C'est après que ça s'est un peu compliqué, mais en ce moment-là, tout était ouvert. Hein. Ouais, je crois que tout était ouvert. On avait une équipe voilà, avec énormément de qualité, des joueurs qui aimaient le club, un staff vraiment hyper compétent. Donc voilà, on était, je crois, on devait être 12e en Ligue 1. Des joueurs vraiment au top physiquement et puis techniquement. Donc c'était vraiment une très très bonne période. Et votre pire souvenir ? Mon pire souvenir, je dirais mon premier derby, on va dire. La première année que je suis arrivé à Nancy, où,
où on perd 3-0 à Saint-Symphorien au mois de septembre. Donc là, c'était tout l'inverse. On était sur un début de saison compliqué. On prend 3-0 à Metz qui montait de national. On n'avait pas fait un très très bon match. Donc ouais, je dirais ce match-là. C'est vrai que c'était dur. D'accord. Ouais, en plus le premier. Bon, bah, je vous remercie en tout cas. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, c'est très gentil. Je vous souhaite une bonne fin de saison à Valenciennes. C'est un plaisir d'entendre Geoffrey Cuffaut. Pour moi, c'est un joueur qui a marqué Nancy par sa combativité, sa gentillesse, son amour du maillot. Il n'a pas été formé au club. Et pour moi, c'est un peu l'un des derniers, mis à part les joueurs du CRU, c'est un des derniers qui représente un petit peu la SNL et qui a marqué la SNL comme ça. Vous en voyez d'autres? Tu veux dire des joueurs qui n'ont pas été formés à Nancy, mais qui ont fortement marqué le public et attiré sa sympathie? Ouais, c'est ça. Moi, je pense à Macaluso. Macaluso, ouais. Voilà, je crois que ce qu'aiment les supporters de l'Est Nancy-Lorraine par-dessus tout, c'est un joueur qui est prêt à mourir sur le terrain pour son club. Et c'était quand même le cas de Macaluso, qui était capable de mettre la tête là où j'aurais pas mis le pied, quoi. Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Martin Sourzac, actuellement. Quand on voit ce qui s'est passé à l'intersaison, il est toujours là, il donne tout pour le club, alors qu'il n'est pas du tout formé. Voilà. Mais Martin Sourzac, je pense que c'est un bon exemple aussi. Ouais. Il a un peu la trempe des Geoffrey Cuffaut. Ouais. Et puis, pour revenir sur Macaluso, c'est vrai qu'il y a aussi eu les Puy-Greniers, André-Louise, Béranguet, Gavanon. Mais en fait, cette génération-là, on en reparlera dans une autre émission, mais... On pourrait en parler tellement longtemps, ils ont tellement marqué la SNL et leur état d'esprit était tellement irréprochable. Et c'est un petit peu aussi annoncer ce qu'on recherche, un état d'esprit avant autre chose. Quand on parle de Geoffrey Cuffaut, on parle de la saison 2013-2014. J'aimerais qu'on échange, messieurs, sur le match retour. Est-ce que vous vous souvenez de l'entraîneur de ce match côté Messin? Je crois bien que c'était Albert Cartier. Oui, ça, il me semble. Il y a un fait de jeu qui prête à plusieurs interprétations sur ce fameux match retour au stade Marcel Picot. Vous vous en souvenez? Je dirais le carton rouge de Jeff Louis, qui est quand même notre joueur à ce moment-là, qui c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe. Ah, il marche sur l'eau. Voilà, qui nous fait du bien, et je pense que c'est vraiment le joueur qui fait peur aux Messins, et ouais. Oui, bah, c'était... Je pense que le type qui provoque le carton rouge était en mission commandée. Je pense que tout le monde le pense, et en discutant aussi avec des supporters du FC Metz en préparant le match, le pensait également. Donc pour l'anecdote et pour vous le rappeler, donc Jeff Louis, qui est notre joueur phare à ce moment-là, se fait expulser à la 20e minute pour un deuxième carton jaune, avec un joueur qui faisait un marquage individuel sur ce joueur, qui était autre que Endoy, qui jouait l'année dernière à l'AS Nancy-Lorraine, coaché par Albert Cartier. Jeff Louis est expulsé à la 29e minute, 4, 5, 7 minutes après, Endoy sort, alors que c'était un jeune qui arrivait, etc., sort, pour être remplacé par un autre joueur. Et effectivement, ce côté mission commando, t'as qu'un objectif, c'est de faire vriller, entre guillemets, Jeff Louis ou l'empêcher de jouer, bah, il a rempli sa mission. Albert Cartier, donc ça ne nous étonnera pas quand on connaît le personnage, le joueur a rempli sa mission, il change son schéma technique, il le fait sortir. Et le pire dans tout ça, c'est que ce match-là, on le perd 1-0, et c'est Diafra Sacco qui marque contre nous, Marcel Picot, donc joueur qui jouait également à la Nancy-Lorraine l'année dernière. Oui, moi ce que je retiens quand même de cet événement, c'est qu'on peut accuser le FC Metz d'avoir développé sa stratégie, mais c'est de bonne guerre, je veux dire, le seul joueur dangereux de l'Est Nancy-Lorraine. Moi j'en ai beaucoup voulu à Jeff Louis d'être tombé dans ce panneau qui était si grossier. Quoi. On est tout à fait d'accord. Quand je dis par rapport à Albert Cartier, le personnage, c'est que quand il était entraîneur de la SNL, c'est que, quels que soient les résultats, je pense que c'est quelqu'un qui donne tout pour son club, qui cherche toutes les possibilités de faire gagner dans la légalité du jeu. Et celui qui est tombé dans le panneau, c'est Jeff Louis, effectivement. Donc ça, on peut refaire le match. Mais dans l'anecdote, le fait qu'ils sortent derrière, que ce soit des joueurs qui sont venus à Nancy, ancien entraîneur de Nancy, je trouve que l'anecdote est assez savoureuse. Donc ce match-là a marqué aussi l'histoire des derbies. Bah, c'est un peu une synthèse du derby Nancy-Metz, ce match. C'est vrai. Je vous propose d'écouter Raphaël, un supporter du SMS qui lui était présent ce jour-là au stade et qui va nous parler de sa manière de vivre les derbies. Et vous allez voir qu'il y a une anecdote assez intéressante sur la rivalité entre Nancy et Metz à la fin d'interview. Bonjour Raphaël, toi tu es supporter du FC Metz. Exactement, bonjour à tout le monde, bonjour tout le monde. Et du coup, aujourd'hui tu habites plutôt dans la région nancéenne, tu es toujours habité dans la région nancéenne et tu es supporter de Metz ou tu viens de Metz et tu as déménagé vers Nancy, ce qui fait que tu es resté fidèle à tes couleurs? Alors moi je viens de la région de Fribourg de base. Je suis né à Fribourg et je suis devenu fan de club de Metz en 98, après la Coupe du Monde.
Et on va dire que la vie professionnelle a fait que bah, j'ai rejoint la région nantaise. Mais voilà, du coup, je continue à supporter le FCMS, mais j'habite du coup maintenant du côté de Nancy. Est-ce que ça, pour toi, en tant que supporter du FCMS, qu'est-ce que ça représente un derby Alors avant tout, pour moi, c'est une fête. Pour moi, c'est une chance de pouvoir vivre un match avec deux équipes lorraines qui, bah, à l'époque, bah, avaient une grande histoire et que bah, les deux clubs ont une histoire quand même. Et se dire que pouvoir vivre un derby, c'est important en tant que supporter. Parce que pour moi, c'est une fête, en fait. Et je le prends beaucoup dans le côté-là et pas en rivalité. Parce que oui, il faut une rivalité pour un derby. Mais il faut aussi que ce soit une fête. Et on a pu voir sur les derniers derbys que ce soit les supporters nancéens ou les supporters messins, ils inventent énormément de choses, que ce soit en animation ou en ambiance. Et c'est ce qui fait que ben, les derbys, c'est fort. Et si on regarde même dans France, il me semble que le derby nantais fait partie des plus gros derbys de France, parce que tout le monde connaît le derby Metz-Nantes. Donc pour moi, je le vois plutôt en tant que fête. J'ai eu l'occasion de vivre autant les victoires que les défaites. Hein. Je me souviens du fameux 3-0 à Saint-Symphorien pour Metz, mais je me souviens aussi du 3 ou du 4-0 que Nancy nous ont mis au mois de novembre 2016. Et ça reste quand même des bons moments. Et voilà, ça fait la vie des deux clubs. Et voilà. Les derbys, tu les abordes plus comme... T'es, quand il y a un match, un derby, tu es content. Tu le vois plus comme un bon moment à passer. Pas un match avec tellement d'enjeux que tu es crispé. C'est plus un moment festif et du plaisir. Il y a du chambrage, c'est sûr, parce que ça fait partie du folklore. Mais c'est vrai que quand j'ai le calendrier, que ce soit de Ligue 1 ou de Ligue 2, et que les deux clubs sont dans la même division, la première chose que je regarde quand le calendrier sort, c'est la date du derby, parce que c'est là qu'on va justement voir un match où c'est plus un match de foot, c'est les valeurs des joueurs. Et d'ailleurs, si on regarde dans les deux côtés, que ce soit de Nancy ou Metz, la plupart du temps, les buteurs des derbys, ce sont des joueurs du centre de formation, parce qu'ils connaissent cette valeur-là du derby. Et c'est toujours des très belles fêtes, surtout quand il y a la victoire qui est au bout, mais ça reste des très bons moments, en fait. Ouais, et t'as pu faire des derbies à la fois à domicile à l'extérieur, ou tu t'as surtout fait à Saint-Symphorien? Oui, j'ai souvent fait à domicile, mais j'ai eu la chance de faire les derbies aussi à Marcel Picot. Alors, pas dans les groupes de supporters, évidemment, hein, c'était en latéral et tout, mais parce que moi, je suis plutôt un supporter qui va regarder le match, mais qui va pas créer quand il y a un but de l'utilisateur, qui va pas créer de l'attention. Mais du coup, ouais, j'ai pu faire les deux derbies, soit Marcel Picot ou à Saint-Symphorien. J'en profite aussi, puisqu'on parle du derby. Un joueur, c'est plus comme avant. Un joueur ne peut plus être relié à un seul club, parce qu'avant, on pouvait le faire, mais maintenant, c'est tellement compliqué de la carrière de footballeur que ben il doit nourrir une famille. Et que pour moi, ben, un joueur doit montrer sa valeur sur le terrain. Et Busman, je trouve qu'il fait son travail à Nancy. Et c'est pas parce qu'il fait son travail à Nancy que pour moi, il fait plus partie de mes souvenirs que j'ai eu à Metz, en fait. Et je pense que c'est important de se dire que maintenant, on est devenu dans une génération où il y a des joueurs, même s'il y a des joueurs qui ont joué à Nancy et qui sont revenus faire des belles heures à Metz. Je pense à Bianca Lani, qui a fait qui est aussi un joueur phare de Nancy. C'est un peu une légende aussi à Nancy, oui, et pourtant il est venu à Metz. Hein. Exactement. Et en fait, on a ces deux, et je pense qu'on peut dire que on peut avoir des joueurs qui ont autant joué dans l'histoire de Nancy et dans l'histoire de Metz, en fait. Et oui, en tant que supporter, c'est un peu rageant de se dire oui, ben. Il est passé du côté, entre guillemets, on entend souvent le côté obscur. Après, oui et non, parce que tant qu'il est dans le club, ben, il a joué, en fait, il n'a pas triché. Ouais. Et moi, je pense qu'un joueur peut donner à fond pour les deux clubs. En fait. Oui, c'est sûr. Après, c'est sûr que quand on est supporter, en fait, on s'attache à un joueur, on l'imagine avec nos couleurs, on a du mal à penser qu'il aille. Mais bon, après, c'est d'autres débats. Après, en plus, pour Busman, par exemple, qui est irréprochable à la SNL et qui a un comportement exemplaire, il n'est pas passé de Metz à Nancy directement. Il y a eu d'autres clubs qui ont été faits entre-temps, etc. Donc, à la base, il est Vosgien. Il est Vosgien, il habite dans les Vosges à cette heure-ci, a priori. Donc, c'est pour lui, c'est tout bénef de jouer à Nancy et de pouvoir rentrer chez lui tous les soirs. Dernière anecdote, je
te disais que je venais de Sarrebourg. En fait, je viens d'un village qui s'appelle Moussé, à côté d'Avricourt. Oui. Et la petite anecdote, c'est que Avricourt a la particularité d'être séparé par la voie de chemin de fer. Et pendant la guerre, en fait, il y a eu les deux Avricourts. Il y a eu l'Avricourt 54 et l'Avricourt 57. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le même village, sauf que c'est séparé par la voie de chemin de fer. Et quand ils font le quatrième div, donc on a un championnat amateur, quand ils se rencontrent, généralement, c'est les Avricourt 54, il y a des supporters de Nancy. Et Avricourt 54, c'est des supporters de Metz. Et c'est, je crois qu'il y a un article qui était sorti à l'époque sur ce fameux village d'Avricourt, où en fait, il y a aussi un derby entre dans le village même, parce que c'est le même village, mais sauf qu'il y a un côté Meurthe-et-Moselle et un côté Mosellan. Merci en tout cas pour nous avoir accordé un petit peu de ton temps de participer à notre émission. Vous connaissiez cette information sur ce village d'Avricourt ? Bah alors pas du tout, mais c'est incroyable. Je vais creuser le sujet parce que je connaissais pas non plus. Bah ouais, c'est... Bon, moi je connaissais pas, mais ça fait quand même penser au derby de la Mersey, vous savez, à Liverpool, avec quand on est d'un côté de la rivière, on est supporter d'Everton, de l'autre on est supporter du Liverpool FC, c'est assez marrant. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Raphaël nous parle des joueurs qui ont porté les deux maillots, il y en a eu plusieurs. Eric, il me semble que tu as une anecdote concernant le premier transfert d'un joueur du FC Metz qui est venu jouer à Nancy. Oui, et qui s'est très 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 mal passé. Pour mémoire, en juin 1967, ça fait 6 mois que Claude Cuny et son équipe se battent pour faire renaître le football professionnel à Nancy, qui a disparu en 1964. Et en juin 1967, enfin c'est la consécration, la Ligue leur donne le feu vert pour devenir professionnel et commencer la saison de deuxième division. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas de joueurs. Et on est en juin. Donc, il faut très vite mettre sur pied un effectif. Alors, la stratégie suivie par Claude Cuny, qui est une stratégie classique mais néanmoins très habile, c'est de dire on va s'appuyer sur un grand nombre de jeunes espoirs lorrains et on va les faire encadrer par quelques tauliers, des vieux briscards du professionnalisme. Pour obtenir les services de ces vieux briscards, Claude Cuny se tourne vers d'autres clubs professionnels et leur demande de mettre à disposition des joueurs un peu vieillissants mais qui pourront tenir la baraque en deuxième division. C'est comme ça qu'on récupère le tout premier professionnel nancéen, Gasparini, Charles Gasparini, qui vient de Sedan. On récupère le capitaine, Antoine Renin, qui vient de Toulouse. Et puis, Metz, ils acceptent de nous filer un de leurs joueurs, qui s'appelle Roland Mazzucci, qui est un honnête milieu de terrain, qui a fait toute sa carrière à Metz, qui a fait des saisons assez pleines. Mais bon, il va sur ses 30 ans, il a pris un peu de poids, donc Molinari nous le donne. Et bon, le problème, c'est qu'il arrive à Nancy... Encore une fois, Nancy a un effectif très limité, faute d'argent. Et donc, ces vieux briscards, il faut pas se tromper, il faut recruter les bons. Quoi. Et très vite, il s'avère que Mazzucci, c'est une erreur de casting, parce qu'il est un peu gros, il a perdu de sa splendeur, de sa superbe. Et ce qui fait que sur la première moitié de saison, il dispute seulement 7 matchs comme titulaire. Donc, il pèse lourd dans la masse salariale pour un joueur qui a un si peu de rendement. Et alors là... Claude Cuny a une idée, c'est que pour se débarrasser de lui à peu de frais, il va sortir un point de règlement. À l'époque, il y a un point de règlement que personne ne respecte, mais qui existe, qui fait obligation aux joueurs d'habiter dans la ville de leur club. Or, Mazzucci, quand il a signé de Metz à Nancy, il était et il est toujours le patron de la brasserie du Luxembourg à Metz, qui tient avec sa femme. Et Claude Cuny va mettre à profit cette clause du règlement en disant « Mais il n'a pas vendu son commerce, il n'habite pas à Nancy, on le vire. » Ah, évidemment, le joueur porte l'affaire devant la commission juridique de la Ligue. Tu dis « Bon, c'est peut-être un peu sévère, le type n'a jamais raté un seul entraînement, il a répondu à toutes les convocations et en plus il nous a apporté la preuve qu'il avait mis son commerce en vente. Il n'a toujours pas trouvé d'acheteur, mais il a mis son commerce en vente. » Bon, alors, Nancy fait appel de la décision parce que la Ligue annule la décision. Nancy fait appel, etc. L'affaire a commencé en janvier. Elle se termine en avril. Comme le joueur a toujours pas vendu son commerce, là, on décide que le contrat est résilié, etc. Alors, je vous raconte ça. C'est anecdotique, mais là où c'est drôle, c'est que exactement au même moment, il y a un autre joueur, un attaquant vosgien qui s'appelle Gérard Braun, qui est de mémoire ailier gauche, qui vient quotidiennement à l'entraînement depuis Moyen-Moutier, où il gère un café avec ses beaux-parents.
Mais alors là, comme il est bon sur le terrain, ça ne pose aucun problème. Donc on le voit, je voulais raconter cette anecdote parce que les transferts entre Metz et Nancy et Nancy et Metz partaient quand même sur d'assez mauvaises bases. Le bon vieux foot familial d'antan, comme quoi il y a aussi des histoires de famille qui se passent pas terribles. Merci Eric. Steve, j'aimerais qu'on parle d'un match mythique entre les deux équipes qui est resté dans les mémoires pour tout ce qui a pu se passer à la fois sur le terrain mais également en dehors. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce fameux ASNL Metz de 96-97? Ouais, alors je vais vous parler de ce derby un peu spécial. Alors déjà, pour le contexte, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas eu de derby à Pico, donc les supporters attendaient ça avec impatience, quoi. Bon, ils vont être un peu déçus, pour la simple et bonne raison que Metz va demander à Gérard Parentin, qui était président de l'AS Nancy Lorraine à cette époque, de disposer de la tribune marmite, mais entière, dans son intégralité. Le problème, c'est que dans cette tribune, il y a des abonnés, mais il y a aussi un groupe de supporters. Mais bah Nancy va dire oui. Tribune marmite, qui est actuellement la tribune shoot, pour situer dans le stade. Donc déjà, ça pose problème. Une tribune entière pour Metz, bon, ça va susciter la colère des supporters nancéens, et on ne connaît toujours pas pourquoi il a dit oui. On ne sait toujours pas. Et quelques jours avant le match, des supporters de Nancy vont découvrir qu'une banderole de 20 mètres a été déployée en azote avec ce message « Bienvenue au FC Metz ». Alors, pas de tapis rouge non plus ? Bah presque, hein, on se croirait à Cannes, hein. C'est vraiment... Mais dans la nuit, hein, des oiseaux sont venus enlever cette banderole de sympathie. Bon. Et en plus, le pire, hein, c'est que les supporters vont vraiment boire le calice jusqu'à la lie, parce que pendant ce match, le fameux regretté Manolo, que vous connaissez, va être autorisé à aller chauffer les supporters messins qui occupent cette tribune en entière. Donc c'est quand même assez... c'est incroyable, à domicile... Incroyable. Le but d'un derby, en plus, enfin, à domicile, c'est que les supporters sont là pour encourager son équipe, et ça doit donner un contexte, quoi, ça doit donner, voilà. Bon. Après, au niveau du terrain, hein, à la qualité des coéquipiers de Pires ou Blanchard, Nancy n'a que la fougue de la jeunesse de son équipe à proposer. Alors, rapidement, hein, Metz va prendre l'avantage dans ce match par Pires, avant que Blanchard double la mise au retour des vestiaires. Bah, Nancy va pas mettre beaucoup Metz en danger durant cette période, et le jeu est clairement insuffisant. Les Messins semblent vraiment dérouler leur qualité de jeu. Mais dans un match de foot, en plus un derby, hein, tout peut changer. Et le déclic pour les Nancyens va survivre à la 80e minute, où Eric Rabesson-Ratana, voilà, merci, bien que stopper, va récupérer le ballon dans la surface pour battre le gardien de Metz. Et quelques minutes après, l'arbitre va siffler un coup franc indirect dans la surface mosellane. Et là, Christophe Robert va glisser le ballon à Eric, qui va égaliser. Alors, Pico est devenu un véritable chaudron, vraiment bouillant, et se dit « la victoire est possible face à Metz ». Alors, malheureusement, dans un dernier mouvement offensif, le FC Metz va trouver l'ouverture pour reprendre les devants. Et cruelle défaite pour Nancy. Bon, après, en ayant joué 10 minutes, on ne pouvait pas espérer autre chose. Mais entre ce qui s'est passé sur le terrain et ce qui s'est passé dans les tribunes, c'est vraiment un derby mythique. Et à part. Et à part. Et on peut dire maintenant que Nancy sait bien recevoir. Ah là, c'est sûr que vu comme ça, on sait très très bien recevoir. On ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui. Hein. Non. Tribune shoot entièrement dédiée aux supporters messins, leur mascotte qui vient, etc. Ce ne serait pas envisageable. Je vous propose d'écouter un protagoniste de cette soirée, en la personne de Youssef Moustaïd, qui est un joueur professionnel de l'AS Nancy Lorraine entre 1996 et 2003, qui lui, vous allez le voir, malgré tout, garde un bon souvenir de ce match, et vous allez vite comprendre pourquoi. Vous avez joué de nombreux derbys, que ce soit en pro ou chez les jeunes, et ça fait quoi, ça représente quoi un derby pour un jeune du secteur ? Le derby, hein, le match Nancy-Metz, ça représente beaucoup, hein, pour nous qui sommes nancéens de pure souche. Hein. Moi j'ai joué à Jarville jusqu'à l'âge de 15-16 ans, mais bon, j'allais tout le temps au stade voir les derbys, les matchs à l'époque de Savarense, etc. Donc j'en ai vécu plein dans la tribune. Et bah, après, j'ai eu la chance d'en vivre au centre de formation. Hein. Je me souviens des derbys en équipe réserve là-bas où on avait gagné 3-2. C'était vraiment, c'était un match particulier. Et forcément, quand on gagne ces matchs-là, on est plus heureux que les autres matchs. Et on a gagné des beaux derbys. Je me souviens d'un 3-2 en équipe réserve là-bas. Dans l'équipe, il y avait l'entraîneur, c'était Patrick Gabriel, il y avait Nasser Wada, il y avait moi, Jesse Savine, et le but du 3-2, c'était Nasser Wada qui avait mis une frappe du centre. On prend le 2-2, et lui, on fait le centre, il lobe le gardien, et puis voilà, c'était très. J'avais même moi mis un but
là-bas à Lobe. Et on regarde, voilà, on avait mis des beaux buts. Et puis j'ai vécu un de mes premiers matchs en D1 à l'époque, hein, pas D1. En derby, bah, à Picot, hein, et vous savez, sur YouTube, il y est, c'était à l'époque, on avait perdu 3-2, c'était un de mes premiers matchs en pro, 3-4e, et il y avait, le stade était plein, je pense qu'il devait avoir 20 000, 25 000. Et on avait perdu 3-2, hein, c'était à l'époque avec Rabé, avec Lazlo Bologna comme coach, en face, il y avait Pires, il y avait Pouget, il y avait Captain Dutch, et j'avais fait un bon match, un très bon match. D'ailleurs, je crois qu'on est mené 2-0, si je me souviens bien. C'est Rabé Sandratana qui marque deux buts en deuxième mi-temps et qui égalise. Et sur le coup du deuxième but, c'est Pires ou Pouget qui crucifie quasiment la dernière minute. Hein. Je crois que c'est Blanchard. C'était Blanchard. Ouais, une volée, reprise de volée, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, exactement. Il y avait beaucoup de monde, hein. C'est vraiment particulier. Là, j'ai vraiment goûté au foot au niveau, on va dire, avec l'intensité, l'impact, les derbies, c'était un match disputé, il y avait plein de monde, c'était magnifique. Ouais, je me souviens, c'est un de vos meilleurs souvenirs. Bah d'ailleurs, moi j'étais dans les tribunes ce match-là, et un autre match où j'étais dans les tribunes, il me semble que vous avez joué, qui est resté quand même un peu dans les annales chez les supporters, c'est le derby à Metz, gagné également 3-2, avec deux buts de Soufiane Kone et un but de Cascarino, et vous étiez dans le groupe. Ouais, j'étais rentré, ouais, j'allais vous en parler, c'était une victoire là-bas, avec le jeune Soufiane Kone qui faisait ses débuts, qui était un phénomène, hein. Il avait mis deux buts, il avait impressionné tout le monde par sa puissance, sa technique, et il avait mis des beaux buts, il y avait Tony Cascarino. Ouais, moi j'étais rentré vers la fin, et on avait gagné là-bas, il avait été, Sofiane, il avait marqué, il avait dû voir tous ses postes du centre de formation, je me souviens encore cette image, c'est pareil, c'était avec Bologna, oui. Après, j'en ai perdu un là-bas, je crois, en D2, oui. 4-0, oh, ouais, ouais. Ah oui, il me semble m'en souvenir aussi. Ouais, celui-là, je m'en souviens, mais on l'oublie plus vite que les victoires. Il faut garder les victoires. Et du coup, vous qui étiez du coin, qui connaissiez le derby et la ferveur, vous étiez obligé d'un peu d'expliquer aux autres, peut-être aux étrangers ou aux joueurs qui venaient d'autres équipes en France, qui ne connaissaient pas, que c'était un match particulier, que fallait, c'était un match à gagner. Et ça... Bah forcément, là, je sais plus trop, j'ai plus souvenir d'avoir expliqué, mais c'est sûr qu'ils voyaient direct dans la préparation la semaine, avec les gens, les supporters, que c'était un match particulier, c'est pas un match comme les autres, donc et l'envie, bon, même si on a toujours de l'envie, mais encore plus, la rage de gagner dans ce match-là, ils le comprenaient directement. Et voilà, puis avec le monde, avec la presse aussi, pour ces matchs, je pense qu'il le. Moi, je me souviens plus que j'ai parlé à quelqu'un. Attention, ça, je pense qu'il le savait direct, en fait. D'accord. Après, au centre de formation, il y avait beaucoup de Lorrains dans l'équipe, même s'il y avait quelques Parisiens, mais ils s'imprégnaient tout de suite de l'importance du match et que le derby, bah, c'était pas un match comme les autres. Et même eux-mêmes, parce qu'on connaissait forcément, souvent jeunes, les joueurs de Metz. On avait côtoyé depuis tout petit. À eux, pareil, hein, ils sont en, le match contre l'Essentiel Lorraine, il ne faut pas le perdre. Quoi. C'est surtout le match qu'il ne faut pas perdre. Et nous, c'était pareil. Ouais, donc, c'était toujours discuté, c'était toujours particulier. Ouais. Après, ça restait quand même dans l'état d'esprit correct, hein, même si on mettait de l'impact, on mettait beaucoup de duels et tout, mais après, on se serrait la main, puis voilà, il n'y avait pas de. Oui, c'est vrai que les derbies sont souvent restés corrects. C'est vrai que c'est des matchs, on sent que c'est des matchs d'hommes avec plus d'intensité, où on va peut-être un peu plus mettre le pied, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est toujours plutôt bien déroulé. C'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, ça reste quand même plus du football. Faut pas que ça prenne un peu, on voit ce qui se passe et tout. Après, moi, je comprends pas trop ça, mais même les supporters, les bagarres, tout ça, voilà, moi, je... Ouais, faut que ça reste du voilà, chacun supporte son équipe, du chambrage parce que ça fait partie du truc, et après bah chacun rentre chez soi ou va boire un coup ensemble et on passe à autre chose, quoi. Exactement, ça reste du foot, ça reste un sport, un jeu et une fête surtout. Donc voilà.
Exactement. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Allez, si, du coup, votre pire souvenir de derby, c'est quoi ? C'est la défaite 4-0 ? Ouais, la défaite 4-0 et... Ouais, la défaite 4-0, c'est vrai que là, on s'était fait marcher dessus, rouler dessus, et surtout là-bas, je me souviens, Mérieux, milieu de terrain, avec sa patte gauche, qui avait été très bon, et bah, c'était, ouais, c'était un des pires souvenirs. Après aussi le 3-2, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on est revenu à 2-2, on pensait avoir un match nul, je me souviens qu'on avait eu 2-3 situations, 2-3 occasions franches, et après on se fait planter à la fin. Et là aussi c'était compliqué, mais bon, on avait fait un gros match. Mais le 4-0, oui, c'était le pire souvenir. Et le meilleur alors ? Bah, le meilleur, c'est le pire et le meilleur. C'était mon premier match, mon premier derby en pro, donc le 3-2 encore. Ouais, c'est ça. C'est... Élu homme du match, j'avais fait un bon match. Et je sais que personnellement, les choses après ce match-là, c'était accéléré. Pour moi, j'avais reçu une promotion d'un contrat pro du club. Ça avait été un peu vite. J'étais devenu. J'avais gagné ma place dans le groupe, on va dire. Mais avec la victoire aussi. Là-bas, mais ça, forcément, les victoires, c'est toujours le mieux, toujours les meilleurs souvenirs. Ah, mais à titre personnel, si vous avez aussi, si ça a lancé votre carrière, en plus, je me souviens quand même de l'ambiance de ce match-là qui était assez folle. C'est sûr que ça doit quand même, ouais. C'était une défaite, premier match quasiment en pro, vous signez un contrat pro derrière, ouais. Forcément, ça vous marque. Hein. Ah oui, ça m'a marqué. En plus, j'avais regardé comme ça par hasard sur YouTube une fois et il y avait le résumé du match. C'est vrai que les images maintenant elles sont vieilles. Ouais. C'est bizarre, il m'avait interviewé aussi après le match. Hein, j'avais des cheveux à l'époque. Donc, je regarderai ça. Non, avec plaisir. C'était très bien. Bon, très bien. Je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis, toujours sympa d'avoir des anciens joueurs de la SNL. Alors, je vous confirme qu'à l'époque il avait des cheveux. J'étais voir la vidéo et j'ai rigolé en regardant. Alors, je suis toujours persuadé que c'est Robert Pires qui marque ce troisième but. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune et j'étais en pesage. Pesage, pour ceux qui connaissent pas, dans le stade Marcel Picot, c'est en dessous d'Azote. Donc Azote s'arrêtait bien avant la tribune actuelle et on était sur le côté. On était juste séparés avec des grillages du terrain, mais on était très proches. On pouvait toucher les joueurs qui faisaient les touches et on pouvait du coup se déplacer sur toute la longueur de la tribune. Et je me souviendrai toujours de ce moment où on revient à 2-2, c'est l'euphorie. Je suis fin fou. Mon père d'ailleurs me calme en me disant c'est pas fini. Finalement, il a eu raison. Et là, j'ai ce moment où je vois Pires passer comme une balle devant moi. Je dis non, mais c'est pas possible. Et j'ai presque envie de mettre la main pour lui arracher le maillot, pour pas qu'il puisse y aller. Ça n'a pas suffi. Et dans mon souvenir, ce but-là, il vient de Pires, parce que c'est lui qui déborde, alors que c'est un super but de Jocelyn Blanchard. Steve, Eric, quel est votre meilleur souvenir de derby ? Alors moi, je vais pas être très original, hein, mais le 4-0 à domicile. Parce que c'est la fête, j'ai jamais vu une ambiance, c'était magnifique. Pour une petite anecdote, j'ai même un cousin qui est venu me sauter dans les bras, que j'avais pas vu, qui est venu me sauter dans les bras, c'était vraiment une fête magnifique, une ambiance de folie, et puis bah, 4-0 quoi. Oui, moi, je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore pas les derbies, hein, mais oui, je garde quand même un souvenir ému du derby gagné à la dernière seconde grâce à un but de Moncef Zerka. Et puis à l'époque, moi aussi, j'avais des cheveux, donc c'est un bon souvenir. On en reparlera dans notre prochain numéro. Moi, pour ma part, c'est la victoire à Saint-Symphorien. J'avais la chance d'y être en plus. Quand on gagne 3-2, on en parlait un petit peu avec Monsieur Moustaïd et on en reparlera dans le prochain épisode avec notamment un doublé d'un jeune espoir du club, Sofiane Koné, et du grand Tony Cascarino. Mais on en reparlera parce qu'il est l'heure de mettre fin à cet épisode sur cette bonne note. Messieurs, je vous remercie pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour notre dernière partie sur notre thématique des derbies lorrains avec des nouveaux interviews de deux légendes de la SNL. Donc à très bientôt sur les ondes de Radio Fadjet. Réseaux sociaux, le podcast 100% ASNL.